Et comme j'ai dit, c'est pas moi de décider qui est le vainqueur. C'est au public, à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui suivent Paul Favor. C'est à vous de décider qui est le vainqueur de ces différentes sessions de Beatmaking Challenge. Plus de likes, plus de partages, plus de commentaires. Il a gagné pratiquement partout. Hold on the beat.